Il took. Oh mon Dieu, come on. Et il était fan de Hitchcock ou quoi, le mec? Non, je vais pas prendre ça. Hein? Pour voir, je dois faire tac-tac. Ok. Ok. Ah, je le dirige avec la souris. Carrément. Wouh! Wouh! J'aime prendre les murs. Wouh! Oh, gauche. Je suis un tuitui! Wouhou! Ah! Je suis des dinosaures, maintenant je suis des tuitui. Cool! Aïe! Ok, ce truc blanc là, ça c'est un peu chiant. Je peux pas rien faire. Wouh! Je t'ai dit, il choque. Les oiseaux. Niaou. 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 On m'a toujours dit, ne suis jamais la lumière. Flying School One. J'ai découvert un succès. La preuve que j'ai pas joué le jeu. Oui, ok. Chérie, gagne contrôle sur lui. Quoi, tu parles de ton fils ou le jardinier? Yeah! Score. J'arrive, ton prince charmant arrive. Avec une voix grave. Non, ça donne pas envie. Ah non, mais je vais quand même vérifier ce qu'il y avait par ici. Oh, Nathan! Oh, c'est pas bon ça, une étang. Attends, j'espère pas que c'était leur jardin personnel, hein, parce que purée, quoi, moi j'aimerais bien aussi voir la même chose. Mais ça, je transformerais ça en piscine et je mettrais un genre de fontaine comme ça qui descend. L'autre ici. Oh non! Ok, on y va. J'ai pas d'armes, c'est pas grave! Il m'a dit que je devais pas être là, il m'a balancé un truc sur la gueule, lui. Oh! Fieu que! C'était en train de faire. T'étais en train de faire quoi là? Bon, fou si je devais pas être là. Oh, une clé. Ah bah sans doute je devais être là pour être pour la clé. Oh! Ok, les petits canards en plastique là, ça me fout un peu légèrement la trouille. Ah, regarde, il y a un problème de pixelation là encore. Oh, c'est des mouches. Y a pas autre chose? Alors, que dalle! Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je bave partout. Oui, quand j'ai peur, je bave. Oui, je suis bizarre. Ok? Je suis quelqu'un de bizarre. Non, je pensais que c'était quelqu'un. Jesus fucking Christ, are you kidding me? Et je savais pas que j'avais affaire à Jason, moi, ici, hein. Vendredi 13, là. Les films d'horreur, j'arrive, hein. Les jeux d'horreur, j'arrive pas du tout, en fait. Il ressemblait très fort à Jason, en plus. Quand il a pas son masque, j'ai l'impression. Oh, et je connais mes classiques en film d'horreur, hein, mais jeu d'horreur. Il y a quelque chose que je fais. À part un que j'ai beaucoup aimé, c'était Alien Isolation. C'était horreur, mais aussi, tu. Je sais pas, il y a quelque chose. Papa joue avec moi. Oh god, non, j'aime pas quand il y a des gosses. Comme j'ai eu un mauvaise expérience l'année dernière avec le mien. Oh, where is the board between. Where is the border between the. Où est la bord. La bordure entre la rêve et la réalité. C'est quoi notre vie? Est-ce que c'est ce qu'on rêve ou ce qu'on rêverait d'avoir? Dis-moi, Suzanne. Qu'est-ce que tu feras si tu ne pourras pas dormir? Est-ce que tu pourras prendre contrôle de ton rêve?
Ok. D'accord. Ouais, ça va. Certificat de décès. 7 ans. Oh, for God's sake. Papa, pourquoi tu l'as laissé faire? Comme j'ai dit, l'année dernière, j'ai une très mauvaise expérience avec mon fils là et je cacherai pas que je ne sais pas si je pourrai continuer à jouer ce jeu en fait. Il est ici, reviens. Non, oh, chargement. Ok. D'accord. Oh, c'est minouche. Mon fils en a presque un, le même en Minecraft. Non, il a là. Il en a un aussi. Attends. Hop. Théodore, c'est un enfant très têtu, très calme. De ses rêves, des caractères de ses rêves. Je sais pas. La seule chose qui me déroge, c'est les figures en ombre qui apparaissent souvent dans ses dessins. C'est peut-être un caractère de comics ou quelque chose. Rien d'alarmant. Mais non, c'est un enfant de 7 ans, il a l'imagination qui commence tout doucement à se faire. Alors, d'office, hein, c'est normal. Hein, Oh, je peux voir les dinosaures. Non, ok. Ah ouais, c'est ça qu'il veut dire. Ah non. Pas mal la chambre. J'aime bien la. Ça, j'aime bien, quoi. Ça, c'est mignon, ça. Avec les petites étoiles au-dessus, là. J'ai minouche! Moi, ce qui me dérange dans ce jeu, c'est les oiseaux. Ah oui, la chambre du gosse s'est retrouvée près de la porte d'entrée. C'est quoi cette connerie? Pourquoi il s'est retrouvé pas? En fait, j'ai la femme et le gosse qui me hantent, en fait. C'est ça! Et toi, t'es toujours bizarre, oui, toi. Ouais. C'est ça, en fait. Ouh! La lumière brille dans le noir et le noir n'est pas overcome it. Jamais venu? Je sais pas, j'ai pas compris. Ouais, moi, je vois pas là-dedans. Non, il y a une porte là-bas qui était fermée la première fois qu'on est passé. Explorateur, ah bon? Really? Les bougies ne font pas ça. C'est pas une bougie. Ah, il me manque des trucs. Ah, tu vas me forcer à... Come on. Je peux pas prendre le stacteur comme un... Arme? Oh, cours! Miaou! Oh! Ah bah si quelqu'un veut passer, il peut. On me voit pas. Pogji ici. J'aime pas les caves. Même ma cave, j'aime pas. Et ma cave est propre en plus. Elle est bien autour de nous et tout, c'est que ça. Oh. Ah, il jouait au chevalier, il aimait bien les chevaliers. Oh. Oh. Désolé, monsieur le rat. Oh. Ah, non, ça va. J'aurais cru que c'était une salle de torture. Ah, un petit coin-coin. Hey. Je pense que ça va être dévoré un succès ou quelque chose, les coin-coin. What? Attends, 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 attendez, attendez, je suis obligée parce que j'ai pas de mémoire. Ah! Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça a l'air d'être important. Moi, des canards en plastique, je crois qu'ils sont importants. Bon, je sais pas si c'est le fils ou le père qui avait un truc avec les oiseaux. Oh la... Ah!
Ah 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 non 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 ah ok c'était pas ça c'était trop facile. Qui laisse leur gosse jouer dans le cave? Allez, avouez. Une cave pareille, vous laissez votre enfant aller jouer ici? Regardez ça. Oh, il y a une araignée. Hi! Je suis acrophobe. Qu'est-ce que je vois là? Je vois deux têtes d'oiseau, en fait. Je vois deux têtes d'oiseau. Je vois deux têtes de T-Rex. Ouais, mes dinos pour le moment. Et deux ballerines. Ouais, c'est juste ce qu'on a expliqué au début, d'essayer un nouveau traitement et machin, quoi. Oh, come on. Ah, oh, dear Stéphane, ma femme va très bien. Ok, déménager apparemment, c'était le truc qu'il fallait faire, je crois. Let's move to the... Allons, on va bouger le truc de truc. C'est encore une histoire de rêve. Ouais, ça, je vais essayer de traduire de mon côté, là, parce que là, je... Pouf. Pourquoi je suis ici, en fait? Ah. C'est quoi? C'est pas ça, les fusibles? On court! Aveuglement! Ouah! Ah! D'accord. Ça va faire mal. Bande de bnuk! Quelle est l'idée de faire ça? Ah non, c'était juste. Bah non, c'était pas juste. Hein? Comment ça, c'était pas juste? Ah non. Ah si? Bah si! C'est ça? Oh! Attends, c'est marqué sur le papier. Non, come on, c'est une blague. Allez. Ah, mais justement, c'est peut-être pas les blancs. Oh. Ah, d'accord. Ouais, bon, mais oh, ça c'est stupide. L'autre ici, ça c'est des stupides. Ah! La lumière fut. Pas si blonde la blonde. Ah, il a des autres personnalités, c'est ça le truc. C'est juste une histoire de personnalité, d'accord. Ah, c'est ça le bonhomme l'ombre que l'autre disait là. Un canard en plastique, non? Il y avait pas, il y avait un deuxième mot ici que je voulais prendre. C'était sur le placard. C'était sur le placard, j'avais vu un autre mot au début.
C'est juste une histoire de personnalité. Il a tué l'enfant, il a. Il était là, là, là. Non, oui, il était pas là avant. Il y a quelque chose autour du cou, j'ai l'impression. Yay! C'est une cloche. Non, je rigole. C'est juste le téléphone qui sonne. Non, je vais me retrouver dans un endroit que j'ai pas envie d'y aller. Steven, t'es là, c'est Eddie. Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que ce sera Eddie, le médecin, et Steven, le tueur? Yo! Si je vois ça dans le jeu, non, moi. Je suis où maintenant? Oh. Papa, je suis perdu. Ah, arrête avec les gosses. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Genre, mes figurines, tu peux me l'aider à les trouver, quel genre de figurines? Oh, il y a quelque chose. Ah bah c'est ça, ok. C'est là que je dois trouver. Jesus. Allez, qu'on fasse plus en plus glauque, hein? C'était pas comme ça avant. Il est où le train? Il est où Chouchou? Thomas, il est où? Thomas, c'est un John. Mais tu emmèneras jamais un gosse ici. Oh, je m'attends. Oh, je m'attends au pire ici. Ah! Oh. Jamais passé ce genre de test alors. Si un jour je devais passer ce genre de test, je crois que on m'interne tout de suite. Hein. Tu vas encore bouger. Ferme la porte. Et on se cache dans le coin. Armé avec rien du tout. Bah, je vais essayer toutes les pièces que j'ai été. Hein. Ah bah ça va, t'as bien tout rangé, c'est bien. Je suis fier de toi. Continue comme ça. Il y en a... Ah non. Ouh, on va me laisser. Ouh. Ah oui, d'accord. C'était même pas. Ah, c'était un après l'autre quoi. La femme est morte de 30 coups de couteau. Et l'enfant, 2 jours après que l'enfant soit. Je vais pas le dire. Il ressemble à voir quelque chose là-dedans. Il y a un gars à changer là. Là, apparemment, il y a. Oh, ça a bougé. Le cadavre a bougé. Il était plus près de la porte. Je peux pas entrer dans celui-là. D'accord. Cherche à la encore deux figurines, je crois, non? Ah oui, encore un cassette. D'accord, alors je parie que le médecin a fait, parce qu'apparemment il avait une enfance assez traumatisante, assez triste, le Eddie, avec de la violence et tout ça. Et je parie que, non je parie pas parce que ça fait déjà 4 fois que je fais des hypothèses là-dessus,
Bon, de passe, c'est avec le médecin, il a essayé un autre traitement et en fait, c'est ça qui l'a forcé à tuer l'enfant. L'enfant et la femme. Qu'est-ce que je ne. Mauvaise touche. Mais je suis en recherche des drôles de jouets là, moi, pour le moment. Désolé. Il avait déjà compris que le jardinier, Abraham, après ce que j'ai compris, a déjà compris que le jardinier voulait faire du mal à ses enfants, à son enfant et sa femme. Ah, bon, on va descendre dans les caves, hein. J'ai pas envie de descendre dans les caves. J'aime pas les caves.